Bonjour, c'est Jason. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mesurer la longueur du cercle à broder pour les marques de machines à broder les plus populaires. Vous avez en main les cercles à broder tubulaires Tajima. Et tu prends ce cercle à broder, utilisez le ruban et mesurez. Et tu lis le numéro. C'est 355 mm, ça veut dire 14 pouces. On prend un autre cercle à broder Tajima. Par exemple, vous avez celui-ci dans votre main et votre mesure. Et tu lis le numéro. La longueur du cerceau de broderie est de 495 mm, ce qui signifie 19,5 pouces. Pour les cerceaux à broder Tajima, ils ont 4 types de longueur. 355 mm, cela signifie 14 pouces. 395 mm qui signifie 15,5 pouces. 495 mm soit 18,5 pouces. 545 mm soit 21,5 pouces. Cette longueur est spécialement réservée à la machine à broder Tajima Sai. Lorsque vous achetez le MagiFrame pour votre machine à broder Tajima, et vous venez de prendre votre propre cercle à broder tubulaire, et mesurez la longueur, et informez en notre distributeur ou sur notre site internet. Vous choisissez la longueur du cercle à broder. C'est bon. Si vous avez une machine PR ou VR Broder, ou même machine avec la marque Babylock, assurez-vous d'avoir ce genre de cercle à broder dans votre main. Vous voyez que la longueur du cercle à broder est différente pour chaque taille de cercle à broder. Concernant la machine à broder Broder, vous n'avez pas besoin de mesurer la longueur du cercle à broder. Lorsque vous achetez chez notre distributeur ou achetez sur notre boutique en ligne, il vous suffit de choisir votre taille préférée du MagiFrame et choisissez votre marque de machine à broder. Si vous avez une machine PR Broder ou même machine avec la marque Babylock, vous confirmez que la marque de la machine est Broder PR. Si vous avez une machine VR Broder ou Broder PRS 100, ou même machine avec la marque Babylock, vous confirmez que la marque de la machine est Broder VR, car nous concevons et validons déjà les supports pour la machine PR ou VR Broder. Si vous avez une machine à broder Ricoma, assurez-vous d'avoir ce genre de cercle à broder tubulaire dans votre main. Afin d'obtenir la bonne longueur de cadre de broderie, vous utilisez juste le ruban à mesurer pour le mesurer comme ça. Vous voyez ce cercle à broder Ricoma. La longueur est de 395 mm. Cela signifie 15,5 pouces. Lorsque vous mesurez le cercle à broder, la dimension que vous avez peut avoir 1 mm ou 2 mm de différence. À partir de ce que nous avons répertorié sur le catalogue ou la boutique en ligne, ça n'a pas d'importance. Cela peut être causé par la méthode de mesure. La petite variété n'affecte pas l'ajustement sur la machine à broder. Après avoir reçu le MagiFrame, les cercles à broder Ricoma ont normalement 5 types de longueur de cercle à broder. Ils mesurent 355 mm, ce qui signifie 14 pouces. 395 mm qui signifie 15,5 pouces. 495 mm soit 19,5 pouces. 605 mm soit 23,8 pouces. Et une gamme de cercles à broder pour le Ricoma EM1010 ressemble à ça. Concernant la machine à broder Ricoma EM1010, vous n'avez pas besoin de mesurer la longueur du cercle à broder parce que chaque taille a une longueur différente. Tu vois, lorsque vous achetez le MagiFrame de notre distributeur ou depuis notre boutique en ligne, pour votre machine à broder Ricoma EM1010, vous choisissez simplement votre taille préférée du cercle à broder magnétique MagiFrame et choisissez votre marque de machine à broder Ricoma. Et la taille est pour EM1010. C'est bien parce que nous avons déjà conçu et validé les supports pour la machine à broder Ricoma EM1010. Si vous avez une machine à broder Happy, assurez-vous d'avoir ce genre de cercle à broder tubulaire dans ta main. Afin d'obtenir la bonne longueur de cadre de broderie, il vous suffit d'utiliser le ruban à mesurer et mesurer comme ça. Vous voyez ce cercle à broder Happy. La longueur est de 355 mm, ce qui signifie 14 pouces. Lorsque vous mesurez le cercle à broder, la dimension que vous obtenez peut être différente de 1 mm ou 2 mm.
à partir de ce que nous avons répertorié sur le catalogue ou la boutique en ligne. Ça n'a pas d'importance. Cela peut être causé par la méthode de mesure. La petite variété n'affecte pas l'ajustement sur la machine à broder. Après avoir reçu le Maggie Frame, le cerceau de broderie Happy a normalement deux types de longueur de cerceau de broderie. Ils font 355 mm. Cela signifie 14 pouces. Et 495 mm, ce qui signifie 19,5 pouces. Lorsque vous achetez le Maggie Frame, vous choisissez simplement la longueur du cercle à broder, qui est le même que celui dans ta main. Et choisissez votre taille préférée de Maggie Frame. Et alors vous obtiendrez ce que vous attendiez. Si vous avez une machine à broder Barudent, assurez-vous d'avoir ce type de cercle à broder. Cercle de broderie tubulaire dans votre main. Et tu trouveras ça. Les cercles à broder Barudent ont deux styles de crochets. Le style QS et les supports de style EFP. D'abord, nous commençons à faire la mesure de la longueur du cercle à broder. Afin d'obtenir la bonne longueur de cadre de broderie, vous utilisez simplement le ruban à mesurer et mesurez-le comme ceci. Vous voyez ce cerceau de broderie Barudent ? La longueur est de 375 mm, ce qui signifie 14,8 pouces. Lorsque vous mesurez le cercle à broder, la dimension que tu as peut être 1 mm ou 2 mm différent de ce que nous avons listé sur catalogue ou boutique en ligne. Ça n'a pas d'importance. Cela peut être causé par la méthode de mesure. Cette petite variété n'affecte pas l'ajustement sur la machine à broder. Après avoir reçu le Maggie Frame, les cercles à broder Barudent ont normalement deux types de longueur de cerceau de broderie. Le 375 mm qui signifie 14,8 pouces et 515 mm soit 20,3 pouces. Lorsque vous achetez le Maggie Frame pour votre machine à broder Barudent, il vous suffit de suivre quatre étapes simples. Première étape, il vous suffit de choisir votre taille préférée de Maggie Frame. Deuxième étape, vous choisissez la marque de votre machine et Barudent. Troisième étape, vous choisissez la longueur du cercle à broder. Est le même que celui entre vos mains. Quatrième étape, vous choisissez le style de support et le style EFP ou le style QS. Et alors vous obtiendrez ce que vous attendiez. Si vous avez une machine à broder SWF, assurez-vous d'avoir ce genre de cercle à broder tubulaire dans votre main. Afin d'obtenir la bonne longueur de cadre de broderie, vous utilisez simplement le ruban à mesurer et mesurez-le comme ceci. Vous voyez ce cerceau de broderie SWF, la longueur est de 355 mm, ce qui signifie 14 pouces. Lorsque vous mesurez le cercle à broder, la dimension que vous avez peut être différente de 1 mm ou 2 mm. À partir de ce que nous avons répertorié sur le catalogue ou la boutique en ligne, ça n'a pas d'importance. Cela peut être causé par la méthode de mesure. La petite variété n'affecte pas l'ajustement sur votre machine à broder. Après avoir reçu le Maggie Frame, les cercles à broder SWF ont normalement quatre types de longueur de cerceau de broderie. Ils mesurent 355 mm, ce qui signifie 14 pouces. 395 mm qui signifie 15,5 pouces. 445 mm soit 17,5 pouces. Et celui comme ça est de 495 mm, ce qui signifie 19,5 pouces. Lorsque vous achetez le Maggie Frame, vous choisissez simplement la longueur du cercle à broder, qui est le même que celui dans ta main. Et choisissez votre taille préférée de Maggie Frame. Alors vous obtiendrez ce que vous attendiez. Si vous avez une machine à broder Melco, assurez-vous d'avoir ce genre de cercle à broder tubulaire dans ta main. Afin d'obtenir la bonne longueur de cadre de broderie, vous utilisez simplement le ruban à mesurer et mesurez-le comme ceci. Vous voyez ce cercle à broder Melco. La longueur du cerceau de broderie est de 395 mm, ce qui signifie 15,5 pouces. Lorsque vous mesurez le cercle à broder, la dimension que vous obtenez peut être différente de 1 mm ou 2 mm, de ce que nous avons répertorié sur le catalogue ou la boutique en ligne. Ça n'a pas d'importance. Cela peut être causé par la méthode de mesure. Cette petite variété n'affecte pas l'ajustement sur la machine à broder.
après avoir reçu le MagiFrame. Les cercles à broder Melco ont normalement trois types de longueur de cerceau de broderie. Ils sont 395 mm qui signifie 15,5 pouces, 475 mm soit 18,7 pouces, et comme celui-ci, 518 mm, cela signifie 20,4 pouces. Lorsque vous achetez le MagiFrame, vous choisissez simplement la longueur du cercle à broder, qui est le même que celui que vous avez dans la main, et choisissez votre taille préférée de MagiFrame. Et alors vous obtiendrez ce que vous attendiez. Si votre machine à broder est votre marque locale ou marque chinoise, assurez-vous qu'ils sont fabriqués en Chine. Les cerceaux de broderie sont normalement de couleur grise ou de couleur verte, comme montré dans cette vidéo. Afin d'obtenir la bonne longueur de cadre de broderie, vous utilisez simplement le ruban à mesurer et mesurez-le comme ceci. Vous voyez ce cercle à broder chinois. La longueur est de 355 mm. Cela signifie 14 pouces. Lorsque vous mesurez le cercle à broder, la dimension que vous obtenez peut être différente de 1 mm ou 2 mm, de ce que nous avons répertorié sur le catalogue ou sur notre boutique en ligne. Ça n'a pas d'importance. Cela peut être causé par la méthode de mesure. La petite variété n'affecte pas l'ajustement sur la machine à broder. Après avoir reçu le MagiFrame, car il existe des centaines de marques locales de machines à broder dans le monde, et la marque chinoise. Il y a donc tellement de longueurs de cerceaux de broderie différentes dans le monde. Lorsque vous achetez le MagiFrame de notre distributeur ou sur notre boutique en ligne, il vous suffit de suivre quatre étapes simples. Première étape, choisissez votre taille préférée de MagiFrame. Deuxième étape, choisir la marque chinoise. Troisième étape, choisissez la longueur du cercle à broder, qui est le même que celui dans ta main. Dernière étape, envoyez la photo du cercle à broder dans votre main à notre distributeur pour qu'il comprenne le style de crochet dont vous avez besoin. Si vous achetez sur notre boutique en ligne, choisissez simplement le style de support qui est le même que celui que tu as entre les mains. C'est bon. Et alors vous obtiendrez ce que vous attendiez. Merci pour votre temps, à la prochaine.